Dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir une application multifonctionnelle gratuite de montage vidéo pour vos smartphones Android qui intègre de nombreux effets et des manières de publier en ligne. Les smartphones d'aujourd'hui sont particulièrement bien pour filmer des vidéos. Cependant, pour transformer vos séquences brutes en une vidéo complète et prête à publier, il vous faut un outil. Avec Wondershare Filmora Go, éditez des vidéos et les publier directement sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, etc. devient un jeu d'enfant. Filmora Go est un outil puissant qui possède toutes les fonctionnalités indispensables pour le montage vidéo. Il est la version app du logiciel de montage Filmora sur PC. Il inclut les fonctionnalités telles que couper, fusionner, rogner, faire pivoter des vidéos, l'ajout de musique de fond ou de voix off et de nombreux effets spéciaux très cool comme les superpositions et les filtres, les effets de texte animé et de titre, les éléments en mouvement, etc. Toutes ces fonctionnalités qui permettent de transformer vos photos et vidéos en quelque chose d'extraordinaire d'une façon la plus simple avec votre smartphone Android. Voyons donc comment ça fonctionne. Pour commencer, lancez l'application sur votre smartphone, puis appuyez sur l'icône « Créer une nouvelle vidéo » pour entrer dans l'interface. Suivez ensuite les instructions pour importer les vidéos stockées sur votre smartphone pour le montage. Vous pouvez soit faire glisser l'écran vers la gauche pour importer des photos, soit télécharger des vidéos depuis Facebook ou Instagram pour les éditer. À présent, sélectionnez un extrait vidéo et cliquez sur « Suivant » pour accéder au panel de montage. Vous pouvez avoir un aperçu de votre vidéo d'origine en cliquant sur ce bouton « Play ». Appuyez sur la miniature de l'extrait vidéo. De nombreuses options de montage apparaîtront. Vous pouvez par exemple découper des vidéos, ajouter des filtres depuis la bibliothèque d'effets de filtres, appliquer des effets de superposition pour ajouter différents éléments ou une ambiance particulière à votre vidéo. Ajouter des éléments amusants en mouvement pour attirer l'attention sur certains détails intéressants afin de transformer votre vidéo de manière professionnelle et amusante. Insérez du texte et des titres à votre vidéo. En appuyant sur la zone de texte, vous pouvez modifier et personnaliser le texte qui apparaîtra sur votre vidéo. Faire une copie de l'extrait vidéo. Désactiver le son d'origine ou le réactiver. Faire pivoter votre extrait vidéo ou le supprimer. Une fois que vous avez fini votre montage, vous pourriez avoir envie d'ajouter de la musique de fond à votre vidéo. Il suffit de cliquer sur l'icône musique sur la barre de menu de droite, puis aller jusqu'à la musicothèque de Filmora Go. La bibliothèque musicale est une compilation manuelle d'artistes du Nord-Ouest Pacifique, avec une large gamme de genres allant de l'hipster folk à la pop électrique. Toutes ces musiques sont proposées avec des licences et sont libres à utiliser. N'hésitez donc pas à choisir celle qui vous plaise pour agrémenter votre vidéo. De plus, au-delà des ressources de musique intégrées, vous pouvez également ajouter votre propre musique et d'autres fichiers audio. L'icône « Plus » située dans le coin inférieur droit de l'interface vous permet d'importer plus de photos et vidéos afin de les éditer. Une fois tous vos clips sélectionnés, vous pouvez les organiser comme vous voulez sur la timeline. Il vous suffit de faire un appui long et de maintenir un extrait pour le déplacer. Bien que le montage de vidéos avec Filmora Go soit assez facile, il existe encore une façon plus simple. Utilisez les thèmes intégrés au logiciel. Sous la bibliothèque des thèmes, dans la barre d'outils à droite, vous trouverez de nombreux thèmes, tels que le thème de Noël, le thème de Chaplin, etc. En cliquant sur l'un de ces nombreux thèmes, vous pourrez l'appliquer à votre vidéo. Plus de thèmes seront ajoutés par la suite dans les futures versions. Avant d'exporter votre vidéo, il peut arriver que vous voulez ajuster le ratio d'aspect de la vidéo. Filmora propose plusieurs choix très utiles. Par exemple, si vous voulez mettre votre vidéo en ligne sur Instagram, le choix idéal est d'exporter votre vidéo en format 1:1.
Pour YouTube, le meilleur format d'exportation est le 16:9. De plus, vous pouvez ajouter un cadre afin de donner à votre vidéo un look de film moderne. Une fois que vous avez fini, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » dans le coin supérieur 3. Filmora Go enregistrera alors votre projet sur votre appareil. Puis, vous pouvez partager votre vidéo sur les réseaux sociaux comme YouTube, Vimeo, Instagram, etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À vous de télécharger et découvrir.